Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, dans l'autre bord de l'eau. Jeudi, nous sommes mercredi 3 avril 2024. Bienvenue dans la troisième édition Journal Créole. Nous avons présenté, par exemple, nous dirigeons en collaboration avec VOA Créole. Actualité, sous le plan national, résolution organisation État américain, OEA, jeudi, mercredi 3 avril 2024, là, en faveur soutien pour une transition démocratique en Haïti. Violence gang yo toujours a continué après rapport Nations Unies lui-même qui fait qu'on est 1500 moun ont arrivé perdu la vie pendant 3 premiers mois dans le pays d'Haïti dans l'année 2024 là. Pour nous capable de continuer actualité à sous plan international, yon gros tremblement de terre passé dans le pays Taïwan actuel puissance 7.2 sous que pays Taïwan sans été Pierre Bonnet mercredi, qui c'est 3 avril 2024, là, yon action qui rive passé, rive un paquet effondrement, bilan, environ 9 mounan, rive perdit la vie, et plus passé 800 mounan, t'arrive blessé. Banti envahi, amis internautes, eh bien, commune Delma, jeudi, côté que monsieur était vivant Samyo, qui se dit tout côté, eh bien, envahi commune Delma, qu'il y a plusieurs monde qui est arrivé, courir et quitter activité, yo, et bandi sa yo tombé tiré, sans arrêter, yon action qui est à la cause, plusieurs monde est arrivé, blessé dans la commune Delma. Voilà, c'est tout pour ça, yo, avec divers lots. Nous va gagner pour nous développer pour vous, jeudi, dans le journal ça, rete connecté avec nous, yon façon, pour capable bien informé. Une fois encore, gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal SIDA. Résolution organisation État américain, nous-mêmes, sami internautes qui trouvaient dans situation pour que OEA, jeudi, qui apprend toute dernière et bien, résolution qui est capable de gagner une transition et bien, démocratique dans le pays d'Haïti. Et bien, tout le monde en connaît déjà à travers plusieurs éditions nouvelles que nous présentons. Gagné, ça qui est le conseil présidentiel en transition qui trouvait dans l'impasse pour que lui-même soit capable et bien, camper sérieusement, capable de faire choix de monde qui pour venir diriger conseil, qui pour venir diriger transition dans le pays d'Haïti. Et situation a toujours été compliquée en dedans le pays. Eh bien, à travers plusieurs efforts qui fait pour que les gens soient capables de rien qui fait, et surtout ensemble avec l'accord 21 décembre, pour que plusieurs personnes qui trouvent, et surtout Marjorie Michel, André Michel, ensemble avec Mme Edmond Sublice Bozil, eux-mêmes qui déjà voué une lettre. Comme quoi que conseil présidentiel là lui-même li pas possible faut que même ta font rivé en dedans coup de cassation pour faire choix de monde pour capable diriger transition ça dans pays d'Haïti. Ben je dis a gagné organisation des États américains OEA qui a travaillé dans le sens pour que capable joindre yon monde directement pour ta installer et ben surtout c'est jeudi a c'était dernier jour pour conseil présidentiel en transition lui-même il était capable d'installer et gagner gros intervention qui a fait dans mon appel là pour qu'il capable gagner conseil présidentiel ça l'installer et surtout ensemble avec OEA qui a fait gros démarches qui a fait on prend une série de résolutions pour que conseil là lui-même il est capable d'installer et bien gagner Gandhi lui-même qui représentait pays d'Haïti et citoyen ça en tant que ambassadeur dans OEA c'est lui-même qui là qui t'a parlé pour que capable et bien aider Haïti à sortir dans impasse que lui-même dans l'IEA et surtout ensemble avec représentant République Dominicaine qui mandé et que Haïti lui-même li pas attendre encore c'est pour capable aider à sauter dans l'impasse qu'il y a, yon façon pour la population haïtienne lui-même, li capable d'aller en souffre et pour capable vivre même gens ensemble avec tout peuple sous la terre. De l'autre côté, madame, mademoiselle et monsieur, violence gang yo même qui toujours a continué dans le pays d'Haïti et a gagné après yon rapport qui était au même que Nations Unies lui-même, il est arrivé fait sortir et pour quantité gang qui rivé touyer yon latrier moun dans pays d'Haïti, les Nations Unies t'a fait qu'on gagné environ 1500 moun qui est arrivé perdu la vie et ensuite dans 3 premiers mois sans compter moun qui même rivé blessé pendant 3 mois
dans l'année 2024, les amis internautes. Eh bien, après tout gang ça yo qui arrive, tout le monde dans soir, quand vous faites un soir, Cité Soleil, un soir directement tout dans la commune d'Elma et la commune en Pétionville, situation paraît vraiment compliquée et même dégénérée et toute action ça yo, eh bien, qui compilé pour que capable de gagner, montrer que rapport ça, Nations Unies, qui même l'y fait sortir, qui gagne 1500 mounes qui est arrivé, fait voile. Pour payer sans chapeau et que c'est bandi lui-même qui rive touye moun sa yo. Dans même rapport ça, amis internautes, rapport Nations Unies, gen 53 moun qui t'arrivé mourir et non seulement qui dans insécurité et gen 53 000 moun qui rive mourir et bien qui dans cas insécurité a et gen tout 116 000 haïtiens en dedans Port-au-Prince qui quitté Port-au-Prince pour aller dans ville province qui pa gen possibilité pour capable aller dans pays étranger yo obligé prendre ville province et situation li paraît extrêmement compliqué pour un pile monde qui a vivre dans situation si là. De l'autre côté, je que nous t'ai annoncé les amis internautes même résolution ça que nous a t'ai annoncé qui apprend pour que organisation état américain lui même capable joindre une solution capable joindre un soutien pour capable une transition dans pays d'Haïti et gagner non on a parlé d'après information qui t'a arrivé jeune nous et bien asoya li t'a même arrivé possible selon source nous qui t'a arrivé que nous même nous t'a fait confiance il possible pour que soutenir installation ça li capable fait asoya parce que il y a une grosse disposition qui prend pour comment que conseil est capable installer que capable gagner une transition dans pays d'Haïti. De l'autre côté, bagarre était vraiment compliqué depuis 1er avril qui s'est passé là sous chaîne masse et que bandi au même yo cementé 7 fois 77 fois faut que yo même yo capable river prendre palais national n'a rappelé côté que yo n'a rappelé dans les jours qui passent, dans les semaines qui passent, les bandits ont arrivé à poser la patte sous pénitentiaire nationale et que non seulement ils ont crasé et ils ont bien attaqué plusieurs postes de police et surtout poste de police Salomon, plusieurs moun rive pedi en pile marchandise et sans oublier amis internautes, yon série de commissariats nèg yo rive crasé et même poulé. Et bien dans ça, yon nan pi gros objectif bandi ou même yo rive gagner c'est à attaquer et jusqu'à capable poser la patte sous palais national soit que ou même yo ta boulé ou du moins yo ta occupé pour capable faire cachotterie ou du moins c'est prêter serment pour montrer qui est ce qui président dans le pays d'Haïti. Et bien hier bagala était vraiment compliqué et extrêmement dégénéré dans ça en pile balle t'a tiré et matin encore yon latrier bandi vivent ensemble et bien envahi et commune d'Elma côté que eux-mêmes yo fait tout ça qui dépend de yo pour que eux-mêmes yo capable courir derrière toute population et bien sorti directement en bas Kafou aéroport pour monter amis internautes et bien de toute commune d'Elma bagarre extrêmement compliqué et dégénéré que nous va inviter au capable depuis zone 6h du matin bandi eux-mêmes yo était envahi bloc ça côté que yo pas capable faire rien. En pile moun te obligé quitter business yo a couri à cause de gang qui t'a pas problème nan commune d'Elma. Entendez.
C'est vraiment compliqué, je dis encore une fois de plus, pour les gangs eux-mêmes, ils étaient pas capables d'attaquer les amis internautes. Bien, tout le monde qui trouvait en dans la commune d'Elma, les situations te paraissent une façon compliquée pour le monde qui t'a vivant dans l'espace-là, tout près zone télévision nationale d'Haïti, avec un gang qui sortit de tous côtés, et bien, en vivant ensemble, pour capable et bien finir ensemble avec la population qui trouvait dans la commune d'Elma. Voilà, madame, mademoiselle et messieurs, c'était un plaisir pour nous-mêmes que nous allons présenter la troisième édition journal en créole, nous qui t'a présenté aujourd'hui encore, par exemple, Jerry Chiristal, nous avons invité à passer un bon moment accompagné de la voix d'Amérique pour plus de détails. À travers le monde, quel est le grand point qui a dominé l'actualité? Vous pouvez compter sur la délégation d'Haïti durant votre. Actualité concernant le pays d'Haïti, résolution organisation État américain OEA, jeudi 3 mars 2024, là, en faveur soutien pour une transition démocratique en Haïti. Toujours dans le pays d'Haïti, violence gang a continué après rapport Nations Unies qui fait connaître que 1500 mounta mouri pendant 3 premiers mois 2024. Là. Et puis, dans l'international, il y a un gros tremblement de terre avec une puissance 7,2 secoué Taïwan, bonheur jeudi mercredi, ça qui provoquait un paquet d'effondrements, bilan au moins 9 personnes mourir avec plus passé 800 autres blessés. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons le développer pour jeudi, dans rendez-vous info. Jeudi, c'est mercredi 3 avril 2024 et jeudi, gagné OEA qui prend une résolution qui pour soutenir transition démocratique dans pays d'Haïti qui a fait face à une grosse crise. Et gentil Augustin Junior, tu suivi cette séance pour nous dans l'organisation État américain. Au moment où je vous parle, la République d'Haïti fait encore face à une situation catastrophique. Jeudi mercredi 3 avril 2024 là, Conseil permanent organisation État américain te réuni sous un projet résolution soutien pour une transition démocratique en Haïti. Représentant adjoint Haïti dans OEA, Gandhi Thomas, te fait état crise multidimensionnelle Haïti a fait face là, qui vient pi grave. Avant l'été fini avec intervention liyan, Gandhi Thomas te continue pour dire. Monsieur le Président, la communauté internationale, cette grande famille planétaire a la capacité d'aider Haïti, un État membre éprouvé. Elle doit agir promptement. Elle ne peut, ne doit pas rester impassible face à la tragédie humaine qui se joue en Haïti. Devant cette auguste assemblée, dans cette salle qui porte le nom du grand libérateur Simon Bolivar, je sollicite solennellement le bénéfice de l'extrême urgence pour mon pays. Le rétablissement de la sécurité demeure la plus grande priorité. Le déploiement de la mission multilatérale d'appui à la sécurité, autorisée par la résolution 2699 de l'ONU, est adamment recommandé pour permettre aux autorités haïtiennes et à la police nationale d'Haïti de démanteler les gangs armés, de pacifier le pays et de rétablir les institutions démocratiques. Engagement communauté internationale là pour supporter Haïti dans effort pour réaliser stabilité, sécurité et gouvernance démocratique, représentant américain OEA te parlé pour dire. Monsieur le Président, concernant la démission du Premier ministre Ariel Henry, les États-Unis reconnaissent complexité situation politique là en Haïti. Nous encourageons tout le monde qui a intérêt pour respecter les résultats accord avec déclaration qui sont passées. Inclus engagement Premier ministre Henry te prend pour démissionner une fois le Conseil présidentiel transition est établi formellement et puis il te nommé un Premier ministre provisoire. États-Unis paraît pour supporter Haïti dans phase critique ça, dans transition politique ça. Une fois encore, nous encourager toute partie yo pour yo engager yo une façon constructive à coopération dans processus ça. Représentant République Dominicaine te parlé comme ça. Monsieur le Président, la collaboration. Monsieur Président, collaboration et engagement actif communauté internationale là a continué essentiel pour contribuer dans stabilité, la paix et sécurité en Haïti. Pep haïtien pas qu'attendre l'autre jour pour recevoir aide et support li besoin. Gentil Augustin Junior, Washington. Pour VOA Creole.
Merci, gentil Augustin Junior. Donc, c'est dans la session ça, jeudi, que Conseil permanent Organisation État américain OEA adopté résolution ça qui visait soutenir Haïti à travers transition démocratique ça qui a fait face à une crise pluridimensionnelle. Et puis, avant de continuer avec l'actualité dans le pays d'Haïti, nous prenons un gros point dans l'actualité internationale là, qui c'est un gros tremblement de terre avec une puissance 7,2 qui secoue Taïwan bonheur. Jeudi mercredi, nous avons un bilan avec Valérie Saint-Louis. Au moins 9 moun mouri ak plus passé 963 blessés jodi mercredi 3 avril là dans un tremblement de terre qui frappé pays Taïwan, dommagé plusieurs douzaines de buildings et qui poussé autorité yo voye avertissement pour dire que yon tsunami ta arrivé prolongé et affecté pays Japon ak pays Philippines. Autorité yo te dit que tremblement de terre ça qui souke zile Taïwan nan c'est un goudou qui pi fort qui jam frappé pays ya depuis 25 l'année. Yo te averti pour dire que ta gagné plus tremblement de terre nan jou k'ap vini yo. Wu Chengfu, directeur Centre Seismologie, Administration Centrale Météo Taipei, te dit que goudou a te passé tout près terre et puis li pat fond. Moun te ka senti sou koussyon nan tout pays Taïwan nan, ak zile ki sou lan men pays ya. Règlement strict sou construction kay, building ak infrastructure nan pays ya, ensemble avec conscience publique citoyen yo tout patou, semble ta empêcher yon gros catastrophe rive sou zile Taïwan nan, ki gen tendance gen tremblement de terre et ki situé tout près jonction des plaques tectoniques. Wu Chengfu, directeur Centre Seismologie, te dit que c'est pi gros tremblement de terre pour époque ça, depuis que yon goudou ki te mesuré 7,6 te frappé pays ya nan mois septembre nan année 1999. Les il était touillé environ 2400 moun dans désastre matériel qui pimotel dans histoire pays Taïwan. Tremblement de terre qui passait jeudi mercredi a qui était mesuré 7.4 magnitude t'est frappé juste avant 8h du matin l'heure locale et service géologique États-Unis USGS détecté épicentre là à 18 km dans sud ville Wulan dans Taïwan avec une profondeur de 34,8 km. Parmi au groupe 7 moun qui t'a voyagé bien bonheur dans matin à travers yon timon qui entoure ville là, 3 nan yo te joindre dans moyo, crasé en bas yon gros roche que goudou a te lagué à terre selon sa officielle yo te dit. Yon l'autre bo, chauffeur yon camion ak chauffeur yon machine, mouri le yon gros roche te saute tombé sous machine yo. Pendant que yon l'autre garçon li même mouri en dedans chantier yon mine. Agence nationale pompier te dit que tout calan mos a arrivé dans zone qui rele Wulan. Médias sociaux yo te publié partagé en pile vidéo ak image qui t'a sauté tout partout dans pays ya, ak portrait building yo qui t'a balancé pendant que goudou a t'a frappé. Station télévision locale yo te montré image dramatique yon building plusieurs étages dans ville Wulan. À l'autre côté qui penchait après tremblement de terre a te passé avec image yon dépôt dans zone New Taipei City qui t'a écrasé. Magistrat Villa Hu Yuhi te dit que gen plus passé 50 moun qui t'est sauvé avec succès en bas béton building crasé. Madame ça, si vous résidez dans ville New Taipei, li di, te a te tremblé en pile, en pile décoration la caillou te tombé à terre, mais moun yo te en sécurité, nous te gen en pile chance. C'est un coup c'était un moun qui t'est tombé sous nous. Tout bagaille tombé et caill ça très ancien, à peu près 50 ou 60 années depuis qu'on construit. L'autre caill bon côté nous gen 20 années depuis yo construit. Nous te premier moun qui habitait dans kayo et yo te vin rénové yo. Chaîne télévision te montré secouriste travail ak équipement kap nettoyer wash sou route principale là dans Yulan. Yon ville côtière qui gen yon gros moun qui gen environ 100 000 moun qui habitait là et qui te coupé ak res pays ya à cause glissement terrain. Route principale qui mène dans ville là passé dans une série tunnel en batè. Autorité te dit que en pile moun ak machine yo bloqué jusqu'à présent dedans quelques nan tunnel sa yo qui gen plusieurs kilomètres longueur. Président pays Taïwan qui c'est madame Tsai Ing-wen te mandé pour agence gouvernement local yo ensemble avec l'agence centrale, yo coordonné GFOYO pour porter la population en secours et li ajouté que militaires pral bay sipo yo même tout. Chen Shenzhen, premier ministre Taïwan, nan te dit, dans la région Wulan nan, te déjà gen rapport sou kay qui tombé sous route qui dommage ak en pile machine que wash qui tombé frappé. Dans la région Taipei, a service train à gros vitesse yo suspend. Jusqu'à présent, n'a parlé là. Bilan goudou de magnitude 7.4 qui frappé pays Taïwan fait 9 moun mouri à 963 moun qui blessé pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis, depuis New York. N'a noté que gen l'autre chiffre encore capé sorti sous tragédie ça sous tremblement de terre ça qui frappé Taïwan bonheur matin. N'a retourné dans actualité concernant pays d'Haïti. Yon nouveau rapport Nations Unies publié dit 53 000 haïtiens couri quitter la caillou à cause zak violence gang yo. Sandra Lemaire gen détail. Plus passé 53 000 moun couri quitter capitale Haïti. Nan moins passé 3 semaines pendant zak violence gang qui la cause en pile moun perdi la vie a continué dans pays a. Chiffre ça c'est d'après un nouveau rapport Nations Unies publié.
majorité moun kap kouri yo ale nan région rurale sud pays d'Haïti. Volker Turk, se wo komisè Nations Unies pou dwa moun. The situation in Haiti is cataclysmic. Li di situation Haïti se yon katastrofe. Korupsyon, impunité ak mauvais gouvernance mette sous ak violence gang yo kap kontinye fin mine état de droit et puis presque krasé institution l'état yo. Question takle insécurité a dwe yon priorité pou protège population et puis empêcher plus souffrance chrétien vivant. Donne sa yo inquiétant d'après officiel Nations Unies yo, parce que région sud pays a pas gagné infrastructure suffisant ou soit ressources pour gérer moun sa yo. Déjà gen plus passé 116 000 Haïtiens qui courent quitter Port-au-Prince. Pendant ce temps, Haïtiens qui vivent dans l'État Floride exprimé kasote yo pour famille yo qui vivent en Haïti. Kosi Joseph rete Boynton Beach. This is happening in Port-au-Prince. The rest of the country is technically held hostage. Li di pendant tout bagay sa yo a passé Port-au-Prince, reste pays a, c'est un coup otage, pas vrai? Faut que yo joigne moyen pour yo sortir en bas dépendant ça que yo gagne sous Port-au-Prince. Madame aussi dit li gen en pile qui a sauté pour famille qui toujours en Haïti. Right now, for example, I have family in Port-au-Prince who are basically prisoners in their own home. Li di kounye, par exemple, mwen gen fami Port-au-Prince ka viv tanko prizonye la kayo. Yo rete nan zon Croix des Bouquets, kote gang fin pran kontrol net. E yo tanko otaj nan prop kayo. Yo pa ka soti paske yo pa santi yo an sekurite. Ki es ki vle viv nan yon situasyon kon sa? Donk sa kase ke tout moun, mwen kwe preske tout Haïtien ki dwa viv an dedan ou an deyo Haïti. Sa gen impak sou nou. Se yon bagay ki traumatise. C'est une situation choquante. Dernier exode là, t'es commencé un titan après gang puissant yo, t'es lancé une série attaques sous institutions gouvernement en fin mois de février. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et pendant ce temps, gagné un impasse dans le pays d'Haïti, surtout concernant le conseil présidentiel transition qui toujours pour cas. Installé bien que nouvelle fait qu'on est que jodi a cette étape jou pou yo installer mais gan pile question tout cap poser gan pile nouvelle cap sorti en dans gouvernement haïtien par rapport à conseil présidentiel transition nous gain sous place dans Port-au-Prince Yves Manuel accord en divers secteurs qui représentaient dans conseil présidentiel transition dans le pays d'Haïti finalisé mardi soir selon ça plusieurs sources concordantes rapportées une source qui proche négociation yo qui parlait avec VOA Creole fait qu'on est accord t'a dû signer jeudi mercredi entre protagonistes après si ati document ça l'a transféré tout de suite à CARICOM pour suite nécessaire selon même source là qui pas de nom cité gain plusieurs fonctionnaires dans conseil ministre gouvernement démissionnaire qui a barré la route avec approbation conseil présidentiel. Certains ministres posé conditions pour signer un document, tant qu'ils jouent un poste dans la diplomatie. VOA Creole n'a souci pour balancer information, contacter en vain plusieurs ministres dans le gouvernement démissionnaire. Semaine ça, n'a souligné allié pouvoir écrit une correspondance à CARICOM pour remettre en question l'idée pour créer un conseil présidentiel. Selon initiateur de Massa, Tako Maître Michel Edmond Suplice Bozil, c'est dans cour cassation pour choisir président une façon pour venir diriger prochaine transition. Bon côté pal, gouvernement démissionnaire Dr Ariel Henry a pas dirigé et qui te promet la démissionner dès que conseil présidentiel transition officialisé. Prend engagement lundi qui saute passé là pour travail pour un transfert pacifique responsabilité yo ak membre conseil présidentiel là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Pendant ce temps tendance yo a continué défiler dans pays d'Haïti gen secteur qui pour aller dans cour de cassation pour joindre un juge qui était régulièrement nommé pendant ce temps gagné tout question conseil présidentiel transition. C'est comme ça, un ancien sénateur, professeur Patrice Dumont, lui-même, lui plaidait en faveur poursuite de mise en place conseil présidentiel transition au lieu pour y aller dans la cassation. Où est-ce que ça correspond à nous dans Port-au-Prince? Il y a un point qui fait objet de gros débat dans la société haïtienne. Non? C'est une question qui a rapport avec soit mise en place un conseil présidentiel transition avec installation d'un juge cour cassation
pour assurer présidence d'Haïti dans le cadre de gestion, transition démocratique, en pile secteur à prôner pour résoudre la crise politique là. Ancien sénateur Patrice Dumont réagit sur ce sujet ça. Il dit que le conseil présidentiel là a bon pour le pays d'Haïti. Mais expliquez pour qui ça. Et sept monde, comment vous ne savez pas capable d'entendre, sept présidents, pas bien sept présidents. Vous dites que le conseil présidentiel a gagné un président. Le conseil présidentiel, ça veut dire que et six monde et deux observateurs, il y a des conseillers vraiment très proches du président, qui a gagné plus de poids que un ministre. Oui, c'est une formule qui est adaptée parce que lui fait un large consensus, secteur qui face yon ak l'autre, eh bien, yon obligé de travailler ensemble parce que moun kap perdu la vie, moun kap perdu tout sa vraie, pays déchiré ça, pays en lambeau ça, li besoin que petit yon suspend goumen entre yon. C'est peut-être ça, c'est à bras le corps pour aborder la question pour que nous résolvons le pays. Ancien sénateur Patrice Dumont fait connaître par rapport à problèmes sociopolitiques et économiques qui engendrent avec insécurité malouxa, soit coup cassation pas bon pour le pays. Moi, pas comprendre que affaire cassation, proposition cassation, n'est pas tombé pour n'est pas d'accord adapté à conjoncture sanguine. Parce que pas oublier que cassation, c'est 4 mois là pour le faire. Son juge lié, juge yo pas là pour faire politique. Yo la constitution que c'est 87 là sans pas gain adjectif qualificatif d'elle amendé a que c'est amendé a dans amendé a yo pas prévoir juge pour remplacer c'est conseil des ministres. N'a bien pour suivre interview ancien sénateur Patrice Dumont dans toute intégralité sous VOA Creole. Renan Toussaint pour VOA Creole. Port-au-Prince. Merci Renat Toussaint, ou souvé ou à créole ou à suivre un programme dans langue créole haïtien. Nous parler tout à l'heure dans la région Moyen-Orient, mais juste avant, un petit coup de pause. Merci d'être toujours branché VOA Creole alors que nous présentons rendez-vous info. Actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient, côté militaire israélien, l'ouvrion enquête sous incident côté soldat Lyo touye 7 travailleurs organisation cuisine centrale mondiale dans le territoire Gaza. Jean-Robert Philippe, c'est un incident qui passe sans conséquence puisque organisation suspend travail dans le territoire Gaza. Parle avec nous. Eh bien, bon retour, Jacqueline. Merci. Merci pour tes passions. Bonnes vacances. Et effectivement, j'en dis à et responsable de l'organisation Cuisine Centrale Mondiale, là, il fait connaître qu'il y a beaucoup de plans pour commencer le travail. Alors, des questions, ça, elle fait le tout. Après que l'autorité israélienne connaît ses temps et ouais, il y a une mauvaise identification que soldats ou une force israélienne fait, qui fait que lancer attaque ça, et que sous 3 machines qui dégainent travailleurs et organisations humanitaires. Cependant, et responsable organisation lui-même, Andres, et bien lui-même, lui dit que Israël n'a aucune excuse. Affaire à parler de questions qui étaient faites dans la nuit, il était bien au courant que il a déplacé dans le dépôt manger puis il était allé dans la zone. Nan. Donc il dit pas aucune excuse sur ça. Dans le même moment, la communauté internationale a tout condamné ça qui passé. Porte-parole de la sécurité nationale Maison Blanche, John Kirby, déclare les États-Unis indignés après une attaque force israélienne qui a tué 7 travailleurs organisation charité cuisine centrale mondiale. Porte-parole a demandé Israël pour faire plus pour protéger les civils avec le travail humanitaire. L'organisation humanitaire qui est basée dans Washington nourrit les gens qui souffrent à cause des désastres naturels ou bien la guerre. Responsable de suspendre l'opération dans le territoire Gaza après l'attaque aérienne a été frappé, convoi qui a quitté un dépôt manger. Un officiel américain confirmé, un citoyen canadien américain, est parmi 7 personnes qui mourir. John Kirby déclaré. We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian workers yesterday from the West Bank, which has been relentless to work civil humanitarian cuisine. Organization pas jamais suspend travail
pour permettre manger rivé joindre monde qui gangou dans Gaza à l'autre côté sur planète là. Ministre information la Maison Blanche là Karine Jean-Pierre déclaré président Joe Biden t'est parlé avec chef cuisine centrale mondiale là José Andrés. The president conveyed he is grieving with the entire world kitchen World Central Kitchen family. Président Biden a partagé peine ni avec toute famille cuisine centrale mondiale là. Président senti l'était important pour reconnaître gros contribution cuisine centrale portée pour population Gaza à population mondiale là. Président by assurance il va transmettre un message clair by gouvernement israélien que travail humanitaire de protéger. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui était accompagné ministre des Affaires étrangères français à la ville de Paris, qualifié de travail humanitaire autant qu'un héros qui doit protéger. Monsieur Blinken dit, il parlait directement avec le gouvernement israélien sur incident en particulier ça. Nous demandons une enquête sérieuse, sans passe pour qui, pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation ferme. Ministre des Affaires étrangères français Stéphane Séjourné, lui-même tout, été condamné à attaque force israélienne fait sous convoi humanitaire. Mardi 2 avril là, militaire israélien qui exprimait tristesse concernant attaque aérienne, a déclaré autorité a révisé incident dans niveau qui plus élevé. Cependant, un média américain rapporté force israélienne semble être mal identifié convoi si ça fait incident passé. Expert secours a déclaré timoun ak famille palestinien pour faire face à famine et attaque ça fait vin plus grave toujours. Jean-Bert Philippe Vera Creole, Washington. Et puis toujours sous même dossier, dans une interview à Reuters, chef José Andrés, qui est fondateur World Food Kitchen, dit Israël cibler emploi Elio systématiquement. Sandra Lemaire gagne détail sous interview ça. Chef José Andrés, fondateur ONG World Food Kitchen, qui gagne 7 employés qui mourent dans une frappe israélienne à Gaza, dit agence nouvelle Reuters dans une interview mercredi, Israël ciblé ONG a systématiquement. We had all the information obviously in the first minutes and hours, but very clear the situation began. Being very obvious when we began seeing images. Monsieur dit, il était venu clair, le noté recevoir images cadavres avec passeport dans l'hôpital là, qui confirmait c'était employé nous. Nous connaissons, ça tout le monde connaît, que 7 employés ensemble avec garde sécurité, 3 Britanniques, 3 employés internationaux, à qui palestiniens, ils étaient ciblés systématiquement, machine par machine. 3 international crew plus 1 Palestinian, that they were target. Systematically, car by car, they attack the first car. Ils ont été attaqués premier machine. Nous toujours à essayer de plus d'informations sur ce qui passé premier machine exactement. Nous croyons qu'ils ont joué moyen échappé, ça n'est sauf parce que ils étaient dans un blindé. Ils étaient qu'à aller dans deuxième blindé. Israël frappé. Ils ont déplacé aller dans un troisième blindé. Pendant ce temps, ils ont essayé de relayer pour demander secours, mais dans le chaos, ça passé. Ils ont essayé de demander IDF, Force Défense Israélienne, pour qu'ils aient ciblé dans une zone non-combat que IDF contrôlait. Ils connaissaient l'équipe nous était sur route ça à 3 machines, et puis ils ont frappé 3e machine, non, et nous avons conséquence, frappe ça. 7 personnes mourir. Mais ils ont ces 7 mètres sous plus que 190 employés humanitaires qui ont tué dans Gaza 6 mois qui passaient. That they've been killed over the last 6 months. José Andrés dit qu'il n'y a pas connaît si c'est 3 personnes qui ont été ciblées, qui ont continué à essayer de tuer jusqu'à ce que tout le monde ait mouru. Mais il dit événement passé sur un espace 1,8 km. Donc, ce n'est pas un erreur qui a été fait. Il dit qu'il y a une grosse affiche bien colorée qui montrait clairement ces machines ONG qui, pour lui-même, signifiait qu'il a été fait exprès ciblé. Oops, we dropped the bomb in the wrong place. Or no, this was over 1.5, 1.8 kilometers. If we were targeted this way, I need to understand that this was no issues.
Je me dis, je vais comprendre si c'était une attaque vicieuse, que ce n'est pas un monde qui n'a pas souffert de conséquences, qui décide de tuer nous pour ne pas connaître, parce que moi publié un tweet qui critiquait sévèrement Netanyahu. Je ne pas connaître. Bien entendu, c'est peut-être ça, nous besoin d'une enquête qui lutte, que IDF n'a pas contrôlé. Ça me connaît, c'est que vous avez ciblé nous sans garder derrière, jusqu'à ce que tout le monde n'en convoie t'es mourir. Deliberately, non-stop, until everybody was dead in this convoy. États-Unis et communauté internationale la condamné attaque là. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et ministre défense là admettent responsabilité et puis promettent pour mener une enquête transparente sur attaque là. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci d'être toujours été branché sous VOA Creole. N'a pour tourner dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Et nous parlons dans Grand Danse et plus précisément dans Jérémy Côté, partisan Guy Philippe Yo, manifesté hier Madia dans l'idée pour continuer à réclamer Guy Philippe pour président et voyer jeter initiative CARICOM. Mackinson Charles depuis Jérémy. Partisan ancien sénateur et grand instant Guy Philippe manifesté journée mardi 2 avril 2024 là dans ville Jérémy pour dire non à initiative responsable CARICOM ensemble avec divers secteurs prend pour mettre camper un conseil présidentiel qui gagne là-dedans 7 membres qui capable voter avec de l'autre observateur pendant qu'il fait qu'on est c'est Guy Philippe qui pouvait nous diriger. Nous prenons la rue, vous allez vivre Guy Philippe parce que pays nous de l'OTAN, États-Unis, Canada, France prend en otage, vous mettez nous en otage. Tout peuple haïtien déclare que c'est Guy Philippe qui vle, c'est Guy Philippe. Avant Guy Philippe, pas qu'à gagner mouvement, je veux dire Guy Philippe vini, gâteau à bon, mais ça ne veut pas qu'à quitter l'autre pour une bonne. Manifestant yo qui dit aurait été accroché à l'idée pour ancien sénateur et grand instant vient diriger tête paysan dit après été mobilisé si toutefois pas une décision qui prend. Tout OK, je pas mettre Guy Philippe dans palais national, nous même nous pas camper. Restez maintenant, on monde pas besoin perdre du temps alors l'ambi au l'état n'a pas fait. Feronnet, responsable dans CARICOM déjà voyé par premier ministre démissionnaire Ariel Henry, liste au monde divers secteurs et partis politiques choisis pour venir faire partie conseil présidentiel 7 membres qui capable voter à d'observateurs pour conseil ministre capable prendre une décision et rivé publier conseil présidentiel si là dans journal officiel payant les moniteurs. Depuis Jérémy Mackinson Charles pour VOA Creole. Merci Mackinson Charles et c'est là pratiquement nous pour mettre fin dans le programme mais pas déplacé. Et puis avant d'aller go nouvelle nan, concernant pays d'Haïti, eh ben c'est jeudi mercredi 3 avril 2024 là que Conseil permanent organisation État américain OEA adopté résolution qui visait soutenir transition démocratique là dans pays d'Haïti qui a fait face à une crise multidimensionnelle et te gen plusieurs représentants plusieurs autres pays nan membre et OEA qui ont même te prend la parole et qui te exposé dit ça yo pensé de situation de crise qu'a traversé pays d'Haïti. Nous gagnons beaucoup de plaisir aujourd'hui pour nous accueillir dans le local La Voix de l'Amérique, Gessle Singer qui c'est un bon ami La Voix de l'Amérique et m'pas qu'à saluer et Gessle sans pas saluer tout Blaise Peterson qui sont l'autre ami, un confrère de la presse qui toujours lui-même branché sous VOA
créole. Merci pour tout l'autre monde qui t'a prêté nous attention yo. C'est un plaisir pour moi tout même dit Jean-Robert. Merci les mêmes qui t'a kembé et derrière non et ben merci tout le monde. Nick Ivanov et zami nous pas connaître c'est Rob McKin qui derrière. Nous dit merci et puis nous dit toute notre équipe là merci. Fred Kaimi, Gentil Augustin Junior, Semblier Jean-Marc Hervé Abelard. Et puis toute équipe là qui n'a pas de presse, sans oublier Jean-Robert Philippe. Moi, c'est Jacques Lembélizer. Un plaisir, l'autre fois encore, pour nous être ensemble. Donc, on a cassé rendez-vous pour demain pour une autre édition. Rendez-vous info. Bonsoir. Bonne soirée.